Hello les jolies, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez Action pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Je vous propose qu'on découvre ensemble les nouveautés. C'est bientôt la rentrée et franchement, il y a des pépites. Je commence par ce porte-manteau, bien sûr, un bijou qui est trop chou en velours avec donc une armature tout en métal à 4 euros. Donc vous l'avez doré, gris, doré, rose. Et si vous aimez, vous l'avez en full black, juste ici. Ça vient rejoindre en fait toute la collection qu'on a de velours et de métal. Si vous l'avez chez vous pour compléter, c'est parfait. Ça, ça coûte 4 euros. J'ai vu ici qu'ils avaient mis ces petits paniers. Donc, alors vous pouvez acheter le lot à 10,37 euros. Ils sont tous en coton. Ça, c'est un lot, ok, par 3. Et sinon, vous pouvez les acheter à l'unité. Donc, on a le grand à 5 euros et les petits qui sont dedans à 3 euros pièce. Ils sont super choux. Pour les couleurs, bah, c'est celles qui sont là en noir, blanc et gris. Les petites boîtes, je vous en ai montré l'autre fois, mais j'avais pas toutes les couleurs. À 2 euros, c'est des petits pots en verre décoratifs. Là, on en a un peu plus que l'autre fois. Du gris, du rose. Et regardez, on en a un en vert ici. Ils sont mignons, je me dis, pour mettre, je sais pas trop quoi, à vrai dire. Mais ils sont assez mignons. Et je pense pas que ça soit amovible. Hein. J'ai un truc en arrivant. Oh! On a des cadres comme ça, je sais pas si vous les avez vus, avec des formes géométriques. L'autre fois, je vous montrais une commode et je vous disais, ouais, le cadre, il n'est pas dispo. Bah, regardez, ça se rapproche assez. Ça, c'est 3 euros le grand. Il fait 13 par 18 et vous avez des petits en 10 par 15. Pour la couleur, il n'y a que du noir. Et si vous les achetez par deux, c'est 4,98. Voilà. Et c'est ça que j'ai vu tout à l'heure. C'est des bouquets de fleurs séchées, mais ils sont trop jolis. Ils sont à 4 euros. Regardez. Ça change. Pour les couleurs, du coup, il n'y en a que deux. En arrivant, je pensais qu'il y en avait plus. Vous avez dans les tons jaunes et dans les tons roses. Très sympa pour l'automne. Ces petits plaids, je vous les ai montrés la semaine dernière. Ils sont à 10 euros. 1m40 par 1m80. Ils sont tout doux. Pour les couleurs, il y en a trois. J'en ai que deux ici. Vous avez du gris, un beige et le rose. Le rose, c'est celui-là. Vous voyez, on a des grosses franges. À voir comment ça vieillit dans le temps. Ça coûte 10 euros. Là, du coup, chauffeur artificiel, je vous ai fait le tour l'autre fois. Il y avait une ou deux nouveautés qui étaient celles-ci. Vous savez, les petites bouteilles décoratives. Donc ça, c'est 1,50 €. Voilà, la bouteille avec différentes choses à l'intérieur. Les rouleaux de jute, ils sont à 2 euros. Ça, je vous ai montré l'autre fois. Et... ce sont des rouleaux de 5 mètres et c'est tout. J'ai pas vu d'autres nouveautés. Donc on va continuer. Tout simplement, on va pas s'endormir ici. Allez, je vous emmène. Réassort pour ces tapis tout doux en 60 par 120 à 9,95 euros. Donc tapis de couloir ou tapis de descente de lit. Et de ce côté, ça sera tout. Par contre, je vais retourner au début du magasin parce qu'ils ont sorti un tapis de ouf que je trouve vraiment magnifique. Dommage qu'en termes de... taille, on n'est pas plus grand. Je vous emmène. Regardez, c'est ce tapis. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ils l'ont posé là pour la semaine d'action à 35 euros. Vous savez, c'est avec les formes géométriques. Là, c'est tellement la tendance en ce moment et ça coûte super cher. Pour la taille, là, c'est 1m30 par 1m90. Vous avez du gris et du blanc. Pépite. Vraiment, j'ai adoré. Allez, je vous propose qu'on poursuive à la cuisine. Ça a l'air bien vide, là. Ça m'inquiète. Ouais, c'est assez vide. On a le retour des maxi thermos là en 1,9 litre à 8,95 €. Si vous les cherchez, c'est le moment. Et ça sera tout pour la cuisine. C'est désertique, je suis désolée. J'avais mis beaucoup d'espoir dans mon passage cuisine. On va aller à la vaisselle. Il ne peut pas y avoir des nouveautés tous les jours non plus. À la vaisselle, je vous ai montré des super mugs l'autre jour. Ceux-là là, en double paroi à 2,50 €. Ils font 200 ml. Vous pouvez les mettre... au lave-vaisselle, pas de micro-ondes, bien sûr. On a une nouveauté saladier aussi cette semaine, comme ça en verre, 22 cm de diamètre à 1,80 €. Voilà, simple, efficace pour sa petite salade ou autre. Et on a ceci, c'est des grands pots à provision pour faire des pots de conservation. Hein. À 6,95 €, on a 5 litres et à 5,95 €, on a du 3 litres. Ça, on l'avait déjà, ça s'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Du coup, je vais faire une petite pause au rayon entretien. J'ai vu qu'ils avaient rentré des sprays Javel, là, Monsieur Propre, à 1,93 €, les 500 ml à tester. Et on a ce paillasson, c'est la première fois que je le vois, il est en texte imprimé à 4,50 €. Il est plutôt pas mal, je trouve.
avec écrit bienvenue. Si vous voulez pas qu'il y ait écrit bienvenue, vous l'avez en simple. Pour la dimension, c'est 39 par 59. Et ils ont l'air pas mal au final. Juste à côté, regardez, on a des porte-manteaux comme ça, bambou et métal. Ça vient compléter la grande collection qu'on a. Ça coûte 3 euros. Donc il y a 4 crochets. Il existe en noir aussi, mais bon, moi je l'ai que en blanc. Il a déjà été dévalisé. Là, vous voyez, on a des petits crochets auto-adhésifs. Vous les avez en forme ovale ou carré, en noir ou en inox, à 2 euros. Côté maison, regardez le grand retour de la couette chauffante. Bien sûr, lavable, hein, vous pouvez enlever la housse, enfin le système électrique et mettre que la housse dans le lave-linge. Ça coûte 18 euros et pour la dimension, c'est 1,50 m par 80. À côté, c'est la première fois que je les vois, c'est des oreillers à mémoire de forme. Je galère là à filmer. C'est 15 euros. Donc là, il fait 60 par 40 et on est à 11 cm d'épaisseur. Regardez ce que j'ai trouvé. J'ai pas le prix encore. C'est une espèce de plaid pour s'enrouler dedans. Alors c'est de la taille unique. Hein. Ah, je sais pas combien ça coûte. Ah si, c'est 8,50. C'est écrit là au stylo. C'est un poncho. Alors je sais pas s'il y a plusieurs couleurs. Moi j'ai que cette couleur ici. C'est pas encore mis en place entièrement, mais on a le retour des vêtements d'hiver. J'ai trop hâte. Les pantalons d'intérieur, là, j'ai aucun prix là pour l'instant. Ils ont l'air trop bien. En maille, on a les grands hoodies polaires, ça c'est 10 euros, j'ai le prix. Vous avez le retour des maxi pulls là, 9 euros. Trop hâte. Ils sont encore en train de faire la mise en place, donc on reviendra. Et on a les chaussons là, comme ça, en fourrure pour l'intérieur, qui sont assez sympa je trouve. Moi j'aime bien être pieds nus chez moi même quand il fait froid, donc ça me conviendrait parfaitement. Il y a une troisième couleur, c'est du beige comme ça. On attend le prix. Je me dis là c'est la grande mise en place du rayon hiver, c'est la rentrée. Par contre là j'ai le prix, c'est les leggings thermiques. Donc là pour les frileux, frileuses, plutôt frileuses, on est à 4 euros. Donc la taille est tout élastique, ça va jusqu'au XL, c'est du 100 deniers. Vous avez différents motifs et textures. Ça aussi, ça va cartonner. Je suis à la beauté au parfum, regardez, ils ont installé ce parfum-là. On l'avait déjà en forme de sac. Je crois que c'était un dupe de Victor & Rolf. Je suis pas sûre. Pour le prix, je m'en rappelle plus, on va attendre. Je me permets de toucher. On a aussi ça qui arrive, là, c'est un coffret. Donc là on a un gel douche, le petit parfum pour mettre dans le sac et l'autre parfum, ça s'appelle Love Light. On n'attend plus que le prix. Vous vous rappelez de cette marque là qu'on a pour les sous-vêtements? Bah, on a des parfums maintenant en eau de toilette 100 ml, c'est 6,95 €. Il y en a deux, c'est eau de toilette plutôt. Par contre j'ai pas de testeur donc je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Quoique, non, je croyais que c'était celui-là mais non. Au rayon alimentation, si vous voulez faire un challenge un peu rigolo. Regardez, ils ont sorti des curly au Carolina Reaper. C'est le piment le plus piquant du monde, a priori. Je suis pas sûre que ça pique de ouf comme ça, parce que là, la quantité, elle est quand même balèze. Ça coûte 2 euros le paquet à tester. Du côté des sucrés, on a ces petites boîtes. Alors, une fois, il y en a, une fois, il n'y en a pas. Les petits Milka, c'est 2,39 € les 138 grammes. Et je crois qu'on a fait le tour. Voilà les jolis, ma vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente semaine de transition avant la rentrée si vous êtes concernés. Et bonnes vacances pour les autres. Prenez soin de vous. Bye.